Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la procédure d'équivalence à l'IED. Voilà. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Donc brièvement de la procédure en elle-même, également des accès ça peut vous donner et de la liste des documents qui sont demandés en général. Voilà. Tout de suite avec donc la procédure en elle-même d'équivalence. Donc première information super importante à noter. Donc c'est pas parce que vous vous présentez ou que vous recevez une équivalence par l'IED que vous allez avoir une place. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'instant que vous aurez reçu donc votre attestation d'équivalence avec les matières qui vous auront été données, il faudra quand même participer à la journée, donc cette année c'est le 5 juillet, d'inscription. Et donc être là ou à première heure, je ne vous refais pas le topo, vous allez voir directement la première vidéo, je vous la mets en lien directement. Mais c'est super important de retenir cette information. Une procédure d'équivalence ne veut pas dire inscription à l'IED. Ok? Donc pour ça, on est ok. Alors maintenant, je vais vous parler donc de comment fonctionne la procédure d'équivalence. Donc la procédure d'équivalence, vous allez aller sur le site, vous passez donc voilà dans l'onglet équivalence, vous allez remplir votre profil avec les infos qui sont demandées. Et vous allez donner les pièces. Une fois que les pièces ont été chargées, que vous les avez envoyées, vous devez attendre. Donc attendre, ça veut dire que ben voilà, il y a un certain délai. Ne vous inquiétez pas, ça se fera avant les inscriptions, puisque du coup, vous êtes obligé de passer par les inscriptions. Mais vous êtes en attente voilà, de recevoir et de la correspondance de tous vos diplômes. Donc hyper important, tout ce qui est diplôme étranger, il faut qu'il y ait en fait... ça s'appelle la maquette en fait des matières que vous avez eues dans votre cursus et que si elle n'est pas en français, elle doit être traduite. C'est super important, notez bien ça. Au niveau donc des infos que vous aurez remplies dans votre profil, une fois que tout ça s'est donné, ben vous attendez. Il y a une petite chose à savoir, c'est que vous n'avez pas de rush à vous dire. Par exemple, si les procédures d'équivalence sont ouvertes, là elles commencent le 15 mars, si c'est ouvert pendant un mois, disons une bêtise comme ça, eh bien, vous n'avez pas de rush à savoir, vous n'êtes pas obligé de tout mettre le 15 mars. Vous avez toute la période, en fait, qui ça donne pas, il n'y a pas de priorité ou de quoi que ce soit. C'est vraiment traité en général. Donc, il n'y a pas de rush pour la soumission, en tout cas, de votre dossier d'équivalence. Donc, ça, vous inquiétez pas. Mais, bien sûr, restez dans les délais que l'administration vous a donnés. Hein, parce que sinon, après, c'est très clair. Ils sont hyper à cheval sur les délais. Donc, ça sera foutu. Deuxième partie, les documents que vous devez fournir. Alors, donc, les documents sont justificatif d'identité, diplôme, relevé de notes. Donc, la plaquette ou maquette des matières que vous avez eues donc, dans le cursus par rapport au diplôme que vous voulez mettre en valeur. En général, c'est toujours le diplôme le plus fort qu'on veut mettre en valeur. Voilà. Si vous avez plusieurs diplômes étrangers, vous pouvez mettre tous les diplômes en étranger si vous le souhaitez. Mais il faut que tout soit traduit, y compris la plaquette, comme je vous l'ai dit en première partie. C'est hyper important. Ensuite, une lettre de motivation et le certificat JAP. JAPD, voilà. Donc ça, c'est l'appel de la journée de citoyenneté à la Défense, là. Moi, j'ai pas fait ça, mais c'est à partir d'une certaine année. Je suis trop vieille pour ça. Voilà. Donc, je vous laisse bien noter ça. La procédure d'équivalence, à quoi elle va vous donner droit? Donc, en fait, ça va vous valider certaines matières. Donc, par exemple, vous avez suivi un cursus en maths et c'était poussé. Donc, ils vont automatiquement en déduire par rapport au programme de vos cours que vous avez pas besoin de suivre les cours de statistiques, admettons. Ce serait un bon bénéfice pour vous, croyez-moi. Et donc, vous serez dispensé de suivre ce cours jusqu'à un certain niveau. Donc, il y en a qui obtiennent des dispenses jusqu'à la L3 et d'autres qui en dispensent que juste pour une année. Ça, c'est aléatoire, on ne peut pas savoir. C'est décidé au niveau de l'IED et de la correspondance des diplômes, tout simplement. Alors, quel statut vous allez avoir? Donc, vous avez L1, L2, L3. Donc, ça, ce sont les trois années de licence ou bachelor, voilà. Donc, vous pouvez avoir un double statut. C'est-à-dire que quand vous avez des équivalences, vous pouvez rentrer en L1, L2. Attention, si vous avez des dispenses pour certaines matières, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de dispense pour toutes les matières où il y a des devoirs, vous allez vous retrouver à devoir faire les devoirs de L1 et de L2 la même année. Également, de passer les partiels de la L1 et de la L2 la même année. Donc faites très attention aux
équivalences que vous voulez faire et à ce que vous avez envie de réaliser et du temps que vous pouvez donner à cette formation. C'est hyper important. Donc, L1, L2, vous pouvez rentrer directement. Vous pouvez même rentrer L2, L3, voilà, et jusqu'à L3 directement. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu selon votre niveau d'études. Je sais que j'ai souvent entendu des L2 ou des L2, L3. Rarement des L3, mais si vous avez déjà suivi un cursus en psychologie, pourquoi pas. Voilà. Les infos sont un peu plus courtes parce que bah, je ne vous ai pas fait une chronologie étant donné que moi je n'ai pas suivi ce programme-là pour m'inscrire en tout cas. Donc n'oubliez pas, malgré votre demande d'équivalence, il faut quand même venir faire toute la procédure d'inscription comme je vous l'ai dit. Donc comme vous aurez déjà rempli votre dossier, bah, c'est un peu plus cool parce que vous perdrez moins de temps à charger les pièces et tout ça parce que vous aurez chargé déjà un grand nombre de pièces. Voilà. Mais il faut quand même vous dire que le jour des inscriptions, bah voilà, c'est premier jour à être inscrit parce que les places, voilà, sont vraiment chères. Alors je vais remercier le slasher qui m'a aidé donc à avoir toutes les informations pour les équivalences, lui qui s'est inscrit cette année. Voilà. Et donc je vous souhaite un bon courage et bonne chance donc pour bientôt les inscriptions qui vont commencer, en tout cas pour les équivalences déjà. Et donc n'hésitez pas si vous avez des demandes à m'envoyer des petits MP. Voilà, je vous réponds en général le soir et quand je peux pas vous répondre, je vous mets un message, il n'y a pas de problème. Bye!